Donc, quand on dit oui, vous devez répondre oui. 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 On peut le dire même tranquillement, hein, mais on sent que vraiment il y a la quintessence de vraiment de chaque personne. Donc, on va le faire tranquillement. Oui. 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 Oyama Eva, Oyama Jiska, Oyama Kerti Vende, Toulou Basikange. Mokoutine Mame, Kessi Chessa, Afrika Mon Matata, Chefofo, Koukafe Rima, Kounye Zizi, Koubititi. Songolo, Kulifike, Kutiteke, Yabale, 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 congolaise et parisienne d'adoption. Pourquoi? Parce que ça fait plus de 25 ans que je suis installée ici. Et depuis que je suis ici, je suis allée vers vraiment la rencontre un peu de la tradition. Parce que quand j'étais en Afrique, on a toujours évolué comme si c'était comme si on était vraiment... on n'avait pas d'identité, quoi. On était des personnes, on était évolués, on vivait comme les Blancs, comme les... Enfin, on était... Donc on n'avait pas d'identité. Et ça fait 25 ans que je suis ici, donc en fait, le ciel m'est tombé sur la tête. Il fallait que j'aille vers vraiment l'autre moi que les gens percevaient, que moi-même je ne percevais pas. Et voilà, donc ça fait 25 ans que je suis rentrée dans cette quête. Et quand je suis arrivée ici, je voulais juste continuer ma vie normalement, mais les rencontres ont fait en sorte... que je puisse prendre un autre chemin, rempli d'embûches, rempli de pleurs, rempli de combats et tout. Et il fallait que j'aille vers là. Mais je ne savais pas qu'un jour, je pouvais, par exemple, arriver au troisième album et que ça allait être Femme Noire. Et voilà. Donc, je suis Simbu Vili, je suis artiste, chanteuse. Je peins aussi, je fais pas mal de choses. Et voilà. Donc, ça fait... 25 ans, j'ai commencé à chanter Zongo Soul, Sokalmiri, Michel Polnareff. Ce sont des trois personnes qui m'ont donné vraiment le oui pour avancer. Et puis depuis là, j'ai sorti le premier album en 2001, le deuxième album en 2012 et le troisième album maintenant, aujourd'hui. Et voilà. Quand j'ai fait Mamé 10 ans après... après un travail de recherche personnelle, spirituelle et tout ça, et j'ai fait Mamé en souvenir un peu de tout, enfin de mon enfance, et puis que je suis restée 10 ans, je ne pouvais pas repartir chez moi, et donc c'était Mamé, c'était vraiment le souvenir familial, les amis et tout. Et ensuite, le deuxième album, c'était Afrique assez riche, et là encore, je me suis retrouvée en train de chanter l'Afrique avec toutes ses méandres et tout ça, et puis aussi la beauté de l'Afrique aussi. Et le troisième album, bon, je ne savais pas, ce n'était pas prévu. J'ai eu, en sortant de l'album Afrique assez riche, tout de suite, il y a notre frère
parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Donc notre frère Vincent Gomez qui m'a pris, qui m'a dit, écoute, tu sais que tu es chanceuse, si tu veux continuer, parce qu'il était sur un projet pour refaire un peu la musique d'École Bleue, il m'a fait chanter là-dedans. Après il m'a dit, écoute, il faut que tu fasses un troisième album. J'étais pas prête, bon voilà. Donc c'est parti comme ça et tout, et puis donc il m'a mis en relation avec Niboma. Il m'a dit, écoute, il faut que tu travailles avec les grands de la musique. Moi-même je savais pas qu'un jour je pouvais rencontrer de telles personnalités. Elle a pris le surnom de Vili, c'est pour bien montrer qu'elle est Vili, ou bien parce que moi aussi je suis Vili, mais jamais je n'oserais prendre ce nom. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Est-ce que ça ne t'a jamais créé des problèmes auprès justement aussi des Congolais détenus Vili? Voilà, des Vili. Des choses telles qu'elles sont. Merci. Je ne me suis pas levée un jour en disant que je m'appelais Vili parce que je suis Vili, c'est pas du tout ça. Déjà, le nom Kissimou, c'est le nom de la mère de ma grand-mère, en fait, de mon arrière-grand-mère. Elle avait eu un destin, parce qu'elle était un peu artiste aussi à son époque, elle dansait partout et tout ça. Elle avait eu une fin un peu tragique, donc j'avais pas envie de reprendre le nom entièrement. Donc j'ai enlevé le T, j'ai gardé le Simbu. Donc Simbu, ça veut dire, comme je viens de la mer de Pointe-Noire, et que à chaque fois, quand j'étais petite, quand on sortait de l'école, je me mettais toujours devant la côte sauvage, et que je regardais l'horizon, je me disais toujours, qu'est-ce qu'il y a derrière? Je pense que mes premiers rêves ont commencé là. Et bon, voilà, donc j'ai gardé Simbu, si c'est la terre, Umbu, c'est la mer. Voilà, donc j'aurais pu mettre l'écrire si, point, Umbu. Mais bon, je me suis dit, c'est une question de légèreté et tout ça, j'ai mis Simbu. Et quand je suis arrivée ici en 92, j'ai fait la rencontre du Polar Carnaval, encore un hasard et tout ça. Ils m'ont pris, ils m'ont amené partout. J'ai ouvert le carnaval où il y avait 10 000 personnes. Je venais d'arriver, j'étais encore dans tout cette trip-là du départ de chez moi. Parce que bon, quand je suis partie de chez moi, c'est aussi en pleine souffrance, parce que je ne suis pas partie parce que j'avais faim, je suis partie parce que j'en avais peut-être trop, et que la vie m'a dit, soit tu choisis la vie, soit tu choisis le matériel. J'ai laissé tomber le matériel, je dis non, je laisse tomber le matériel, et puis j'ai pris mes enfants, et je suis venue ici, donc j'ai vécu une vie vraiment de dénuement, et à partir de cette vie que j'ai commencé à apprendre tout ce que j'ai appris jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour ce carnaval, le Vili, ça vient de mon Vili, donc ça veut dire que le jour où on me prend, on fait toutes les télés, et le jour du carnaval, donc on va faire des photos à la Villette pour Libération, et on me fait des photos, et puis bon, le lendemain, je vois que j'étais en première page de Libé. Je me dis, mais comment ça se fait que moi, une petite noire, là, je viens d'Afrique, que je me retrouve sur la première page de Libération? Bon, liberté, libération, ça me tire dans ma tête. Et puis ensuite, le jour du carnaval, puis ils me disent, mais tu sais quoi, tu seras devant tout le monde. Quoi, devant tout le monde? Et à pied, hein, c'est pas sur un char. Hein. Tu vas ouvrir le carnaval. Je dis, mais c'est pas possible. Attends. Et j'ai vu, il y a deux personnes qui me tenaient de chaque côté. Et je regardais, on est parti, j'ai vu, on est parti de la place de la Victoire. Ah, Victoire. Ok, d'accord. Mais ce sont des chocs, en fait. C'est des chocs vraiment thermiques, en fait, en soi. Et du coup, je dis, bon, liberté, victoire, ok, c'est des mots qui me parlent, victoire, parce que le combat, il a été dur. Bon, aujourd'hui, je vous parle, vous ne pouvez pas imaginer la dureté, vraiment, c'était très, très compliqué pendant les 20 ans. Aujourd'hui, bon, ça y est, je suis sur l'autre rive, hein. Je suis en paix, ça y est, c'est bon, j'ai traversé. Donc voilà, c'est parti à... C'est très bien. Voilà. Donc, Simbu Vili, ça veut tout simplement liberté et victoire. La plage de Pointe-Noire, la
côtier. Un verre de lait de coco à la main, mon regard fixe l'horizon. Ciel de son nuage illumine mon regard, je songe à ma vie de femme congolaise. Chanter, j'ai pensé immédiatement au défunt Pati Pati qui a commencé à chanter. J'ai admiré la musique. Maintenant, ma deuxième question, c'est juste la musique, le chant est beau, mais c'est au niveau de la communication. Je crois qu'il faut travailler le côté communication, marketing. C'est l'unique secteur que je peux vous dire, s'il y a votre producteur qui est là, c'est une question que vous devez travailler, c'est tout. Mais vraiment, félicitations. Ouais, bon vent, merci. Mais je sais bien que la communication est déjà là, c'est vraiment de l'argent. Par exemple, un projet comme celui-ci, Femme Noire, j'avais le budget pour le studio, tout s'est très bien passé. Je veux dire que vraiment, c'est le premier album où je n'ai vraiment déboursé aucun sou parce que, comme je l'ai dit tantôt, notre frère Vincent Gomez qui l'a financé vraiment. Et donc, je veux dire que pour la première fois que j'ai pu avoir vraiment une production où je n'ai pas souffert. Mais à partir de. Du moment qu'on sort du studio, il faut communiquer. Là, il faut vraiment le relais parce que bon, lui, il me dit, écoute, j'ai fait ce que je devais faire, mais non, le reste, il faut que tu trouves d'autres personnes. Bah, d'autres personnes, il n'y en a pas des milliers hein, sur la place. Hein, donc du coup, je suis obligée de regarder les poches bien vides, sûr, mais sûr, vraiment d'attendre. Et donc, du coup, de trouver vraiment des personnes de bonne volonté, comme M. Bedel qui est là. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui que je sors aussi cet album, parce que ça fait un moment qu'il écrivait dessus. Et à chaque fois, je disais, je sais pas le moment parce que j'ai pas d'énergie et tout. Et je suis restée 5 mois au Congo. À mon retour, il m'a dit, alors, tu te sens comment? Je lui ai dit, je crois qu'on va y aller et tout. Il m'a dit, allez, décide-toi. Et puis voilà, donc il faut quand même vraiment des personnes qui ont vraiment une énergie pour vous faire avancer. Parce que quand on est artiste, qu'on écrit des chansons, qu'on essaie de les chanter, on ne peut pas être partout, quoi. Si on ne peut pas être partout, on ne peut pas se dire, voilà, j'écris, je ne peux pas non plus tu vois, me dire, aujourd'hui, je sors mon album si je n'ai pas vraiment l'équipe adéquate derrière. Je peux rien faire en fait. Très bien. Donc voilà. En fait, c'est. Donc, merci, on s'entoure au fur et à mesure. Et encore merci vraiment tout ce que vous faites déjà, les journalistes qui sont là. Parce que si vous n'êtes pas là, on n'est pas grand chose aussi. Je connais Sombou depuis très très longtemps. On a grandi ensemble. C'est vraiment un grand plaisir. De boum ensemble. De boum ensemble, de soirées ensemble et de plein de choses agréables. Et aujourd'hui aussi est une chose très agréable. Vraiment, félicitations et mes encouragements. J'aimerais surtout dire merci à Simbu Vili depuis la dernière fois à Brazza et aujourd'hui à Paris. Je suis très contente de la présentation de cet album et surtout, je le disais tout à l'heure à la dame qui était assise à côté de moi, je pense qu'au Kwilu, on n'en fait pas assez pour faire connaître notre musique, notre culture, nos us. Et je pense qu'à travers cet album qui nous replonge dans nos racines, moi je suis très très contente. Et je découvre beaucoup aussi à travers cette musique, à travers les danses et sur tout ce que vous avez toujours fait pour rehausser la culture de chez nous.
Merci beaucoup, Simbu Vili. Merci, Laurie. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais, avant de finir, j'ai aussi une sœur à moi qui est Victoire Kounouka Isoko. Félicitations à c'est une sœur, c'est une amie, on a fait un ensemble. Donc au jour d'aujourd'hui, si elle a suivi de prendre le chemin d'être artiste, vraiment beaucoup de félicitations. Et puis il faut qu'on l'encourage. Sinon c'est rare de trouver une fille Vili qui chante Vili comme ça, c'est pas donné. Vraiment, que Dieu la bénisse puissamment. Merci. Merci ma petite sœur, merci à toi, parce que c'est vrai ce qui a été dit à un moment donné ici, c'est que dans les autres départements, on n'entend pas suffisamment le culot. Et le fait de chanter dans la langue vili, effectivement, c'est un élément ici important. Alors lui, on s'est retrouvés parce qu'on travaillait ensemble, il savait qu'il faisait du rap, je lui dis écoute, même si on travaille ensemble, j'ai fait un son, j'ai fait le son et... Et voilà, et je suis allée, on a travaillé ensemble, il a posé sa voix et on a fait le clip. Et voilà, c'est Rachid, il est là avec moi, c'est pour dire que la musique c'est vraiment le partage et aujourd'hui il est là et voilà, c'était aussi vraiment un voyage aussi. Merci beaucoup, bonsoir tout le monde. Donc voilà, en fait, Marie Simbu Vili a tout dit sur le morceau. Donc c'est Un meilleur lendemain. Donc on l'a clippé, ça fait déjà... On a pris quelques rides depuis. Je déconne. Mais ça a été, en tout cas, ça a été une très belle aventure. Un partage universel, donc d'où le titre, Un meilleur lendemain, avec en l'occurrence rester optimiste avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Je pense qu'on a visé en plein dans le mille par rapport à l'actualité, malheureusement. Et donc voilà, garder le moral quoi qu'il arrive, transmettre un message de paix et vivre ensemble. Pour ma part, ma mère c'est quand même une source d'inspiration dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire que ne serait-ce que son album « Femme noire », c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspirée. Du haut de mes 18 ans, j'ai essayé de réfléchir à ce que signifiait pour moi être une femme noire. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être compliqué. C'est vrai qu'être une femme, ça peut être compliqué. Alors être une femme noire, ça peut l'être encore plus. Il faut faire ses preuves, il faut combattre certaines choses. Et je pense que, comme on dit souvent, Dieu ne donne jamais un fardeau à quelqu'un qui ne peut pas le porter. Donc je pense que ce que Simbu Vili a voulu, faire transmettre à travers son album, c'est justement la combativité de la femme noire, son endurance et sa force. Et c'est notamment quelque chose qu'elle m'a beaucoup appris parce que je m'estime du coup femme noire et c'est une des valeurs qu'elle a pu m'inculquer à travers ses nombreux albums.